La Hey, salut les amis, c'est Melvin, les Toxic Gamers. Voilà, donc je vous présente une petite vidéo bam, sur Toxic Avenger, sortie en 85 par la boîte de production Trauma. Ce film raconte l'histoire du jeune Melvin qui travaille dans un club de fitness, qui finit par passer par la fenêtre et tomber dans ce baril de substances douteuses, et il se transforme en Toxic Avenger. Et oui, et une fois devenu Toxic Avenger, il va faire un peu le ménage dans ma ville, voilà. Boom, sur les junkies, il leur fait manger des glaces. Et puis il leur mène la vie dure, quoi. Il rencontre Sarah, une jeune fille aveugle, très sympa, c'est le grand amour. Bien sûr, et puis il y a la police qui va comploter, qui va s'associer avec l'armée. Ils vont pourchasser Toxie, vous saurez pourquoi en regardant Toxic Avenger. Il faut savoir qu'en 1989, il y a eu Toxic Avenger Part 2. La même année, Toxic Avenger Part 3. En 2000, Citizen Toxie, Toxic Avenger 4, le plus trash de la série, est en préparation, qui devrait sortir en 2013, Toxic Avenger 5. Alors voici Toxic Crusaders, le dessin animé inspiré de Toxic Avenger. On y retrouve Toxie. Il faut savoir que c'est un dessin animé qui a été diffusé qu'aux États-Unis en 1991 et il n'y a que 13 épisodes. On voit donc Toxie accompagné de différents super-héros, Nozone avec ses éternuements radioactifs, Major Disaster qui contrôle les plantes, Headbanger, Junkyard, mi-homme, mi-chien, et puis les méchants, Dr. Kill'em-Off et Psycho de la planète Smogula, venu polluer Traumaville avec Headbone, qui est en fait un voyou qu'on retrouve dans le film, mais là, il est transformé en monstre. Voilà, donc Toxic Crusaders, c'est une version très édulcorée de Toxic Avenger, qui reprend quelques éléments du film. C'est sympathique. Voilà, beaucoup moins trash bien sûr, ça a été adapté en VHS DVD, là c'est The Movie, les 4 premiers épisodes, et puis le pack ultime avec les films et les dessins animés. Alors avec ce dessin animé, il y a eu plein de produits dérivés, dont des comics, 8 numéros parus, vous les voyez, des figurines et accessoires, des cartes à jouer à collectionner, des stickers, un jeu de société, un puzzle, je crois même un costume de Toxie. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus, les video games. Alors, jingle! Ooh yeah! Alors, tous les jeux sont sortis en 92. Sur NES, c'est édité par Bandai, développé par Toz. Sur Game Boy, aussi édité par Bandai, développé par Real Time Associates. Et sur Sega Mega Drive Genesis, c'est développé par Infogrames et édité par Sega. Allez, c'est parti pour une session de game testing. Et on commence avec la version NES.
Voilà, le petit logo Bandai, forcément. Écran de présentation qui laisse le choix entre Start ou Continue, sachant que Continue permet de mettre un password pour accéder directement au niveau qu'on veut. Encore faut-il avoir le password, bien sûr, qu'on obtient à chaque fin de niveau. Donc il y a 6 niveaux en tout dans le jeu. Le premier, c'est Traumaville, bien sûr. Bon, là, c'est pas une tortue ninja, c'est bien Toxy, équipé de salavette. Voilà, il va devoir affronter des petits ennemis comme ça, qui balancent des petites substances de leur baril. Donc, ils reviennent assez souvent, ces bons hommes-là. Et je crois qu'ils correspondent aux Graduation Rangers dans le dessin animé. Voilà, donc c'est un jeu de style beat'em all assez limité, hein, faut bien dire, parce que on a le choix entre un coup de poing et un coup de poing. Enfin, je suis méchant, hein. Un coup de poing et un coup de poing sauté. Voilà. Donc là, on peut voir l'autre type d'ennemi qui est un peu plus vicieux. Celui-là, il se déplace de façon à ce qu'on ne le chope pas. Donc faut faire gaffe. Les points de vie défilent assez rapidement. On se fait toucher facilement, donc le jeu est assez difficile en ce sens. Il y a un petit challenge, mais bien sûr, le coup des passwords, bon bah, ça facilite un peu le jeu. Là, j'arrive au premier boss. It's clean up time. Donc là, toujours, hein, voilà, il y a toujours une technique à trouver. Donc là, j'étais un peu bourrin au début, puis j'ai compris qu'il fallait éviter quand même les projectiles. Non, j'avais pas bien compris, hein, je suis encore entré dedans. Et puis j'ai fini par mourir. Donc là, c'est l'écran password. Si jamais on a le password, on peut revenir au niveau où on était. Et là, j'ai détruit le premier boss. Voilà, donc dans ce premier niveau, quand on détruit le boss, on sauve Major Disaster et on fait la une des journaux avec une petite phrase « Be like me, plant a tree ». Parce qu'il faut pas oublier que Toxic Crusaders, c'était pour les teenagers et qu'il fallait donner des messages positifs. Voilà, contre la pollution, mettez vos papiers dans les poubelles, plantez des arbres. Voilà, c'était ça le message de Toxic Crusaders. Donc on s'éloignait quand même pas mal de l'esprit un peu tordu du film, hein, parce que voilà, ça avait rien à voir, hein, je l'ai déjà dit, c'était une version très light qui s'inspirait du personnage de Toxic Avenger. Voilà, donc là on est au deuxième niveau. Les niveaux se suivent un peu et se ressemblent. Bah, ils se suivent forcément, les niveaux. Donc, je vais essayer de garder le fil parce que là, je suis en train de partir. Là, c'est le deuxième niveau, les vitres explosent. Je vais vite noter le jeu. J'ai mis un C parce que pour moi, le seul point positif de ce jeu, c'est la musique. Et là, c'est Bonehead. Oh no! Game over. Voilà, on va passer à la version Game Boy, qui est une version assez différente de la version NES. Pas en mieux malheureusement, mais ça a l'originalité de donner le choix entre les différents Crusaders. Donc Toxy, je ne répète pas tous les noms, je les ai déjà dit. Donc Toxy, là, on est dans le premier niveau. Donc voilà, graphiquement, on a encore des graphismes assez basiques, même si on peut reconnaître une ambiance, pollution, voilà, on sent une volonté des développeurs, même si c'est pas encore ça, hein, c'est pas encore le top. C'est un jeu très facile, c'est vraiment pour les joueurs du dimanche, on va dire, qui veulent pas se prendre la tête. Mais encore, on a quand même une musique qui est assommante, quoi. Et malheureusement, c'est vrai. Alors on peut choisir les Crusaders, donc là j'ai Headbanger,
qui balance des microscopes, forcément, parce que Headbanger, c'est la fusion entre un scientifique et un surfeur. Voilà, il fallait le dire. C'est pour ça, c'est l'explication du microscope. C'est l'arme du scientifique. Et le reste, ça doit être les planches de surf. On voit pas bien. Voilà, donc graphiquement, c'est limite, même s'il en a un petit effet de fumée. Bah, c'est toujours ça de pris, hein. Puis des atomes, c'est des power-ups pour récupérer de l'énergie. Faut éviter les pneus. Voilà, bon bah, je vais mettre C moins. Oh man! Oh God! Oh man! Oh God! Oh man! Parce que c'est quand même un peu moins réussi que la version NES du fait qu'il n'y a pas trop de challenge. Il n'y a pas trop de challenge, c'est dommage. Mais bon, il y avait une bonne volonté là, parce qu'on pouvait choisir les Crusaders. Bon. Allez, on passe à la version Sega Mega Drive. Toxic Crusaders, on le voit. 92 donc, comme les autres versions. Et c'est sorti qu'aux États-Unis, sur Genesis. Là, je monte vite fait, on peut utiliser Junkyard dans ce jeu, ainsi que Nozone qui est là sur son skate. Mais bon, on va utiliser notre héros préféré, Toxie, accompagné d'une petite boule, le petit Pimousse sur l'épaule. Et ça y est, c'est l'aventure qui commence avec une séquence un peu shoot. Alors, cette version Mega Drive, elle est pas super réussie. Mais elle a le mérite d'apporter certaines originalités. Voilà, on a eu le passage du skate, là on a un passage purement beat'em all. Et c'est un peu plus tonique quand même que les autres versions. C'est un peu moins frustrant aussi, puisque on manie sans problème. Les ennemis sont pas trop vicieux encore, ça va. Même si c'est pas non plus facile, hein. Mais ça va, c'est bien dosé, on va dire. Donc on peut voir que lorsqu'on détruit des ennemis, on récupère des power-ups. Différents power-ups, ça peut être des bulles noires, des bulles blanches, des bulles rouges. Et selon, on va avoir de la vie, de l'énergie, des pouvoirs spéciaux, etc. Là on peut voir un hélicoptère. Je crois même qu'il y avait l'hélicoptère dispo en jouet, hein, si je me trompe pas. Et avec cet hélico, donc on peut le prendre et on peut larguer des bombes comme ça, ou bien mitrailler les ennemis sans pitié. Voilà. Là, on passe à la deuxième partie du premier niveau, c'est le parc avec des mares d'acide, on dirait, dangereux. Là, c'est le premier boss. Voilà, double dragon. Donc vous voyez qu'au niveau des coups, il est capable d'utiliser son balai, mais aussi, donc là j'ai fait des coups spéciaux entre temps, mais le gunbox à ressort, qui est automatique quoi, hein, selon une certaine distance de l'ennemi, ce coup se déclenche. Voilà, allez, j'ai fini le premier boss, on va voir le deuxième niveau, qui est pas mal, hein. Bon, c'est vrai que c'est aussi un peu répétitif. C'est un peu répétitif, mais bon, c'est un peu plus tonique, voilà. On s'amuse un peu plus que les autres versions. Donc voilà, des séquences pures, beat'em all, power-up. Graphiquement, ouais, y a un peu des couleurs, bon, ça reste basique, mais voilà, il y a des petits passages plateforme comme ça. Différents ennemis, donc là on a d'autres ennemis qu'on peut voir. Je vous montre un des coups, voilà, qui est sympa. C'est le coup de golf. Voilà, on peut utiliser la petite boule et la projeter sur les ennemis, c'est sympa. On a des power-ups qui permettent d'être plus rapide, voilà. Donc on a des espèces de bulles savonneuses sous les pieds, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, on a des passages là dans ce niveau,
au ralenti, une zone de turbulence. C'est bien vu. C'est pas mal ça. Et allez, on arrive au deuxième boss, c'est Dr. Killamoff. Il est sans pitié, il arrête pas de tirer. Je vais vite donner ma note, je vais donner un B pour cette version-là, qui a le mérite d'être un petit peu original, sans être extraordinaire, bien sûr. Allez, je vous laisse, j'ai perdu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous laisse maintenant avec un petit bonus sur les Toxic Toys.